Alors, je m'appelle Valentin Lacoste. Je suis en 5e année Motion Design à Paris. Mon projet, c'est Art. C'est sur les tatouages en réalité augmentée grâce à l'animation. Grâce à cette application, tu peux parler aux tatoueurs, aux créateurs de vidéos et qu'ils se mettent en relation. J'ai développé le concept d'art à portée. En fait, l'art à portée, c'est l'idée de voir le choix du vêtement comme une création d'une toile, comme la création d'une composition. C'est mieux se comprendre et mieux choisir son vêtement pour l'inscrire dans une histoire plus pérenne. Et puis aussi moins consommer d'une certaine manière et mieux consommer surtout. Superglue, c'est un média qui met à l'honneur et qui valorise la collaboration entre artistes émergents. Moi, je fais beaucoup d'illustrations, mais je ne sais pas du tout raconter d'histoires. Tandis que Yuan, lui, raconte super bien les histoires, mais il n'a pas du tout le coup de crayon pour les illustrer. Puis on s'est dit, on ne doit pas être les seuls dans cette même situation. Ce magazine, il se présente en deux parties, comme un binôme, la première et la deuxième. D'un côté, l'illustration, et de l'autre, un petit texte en rapport avec l'illustration. On est deux motion designers passionnés par la 3D. Donc on a décidé de monter une structure qui s'appelle Rewan. Donc c'est une structure qui va proposer aux artistes de faire de la production visuelle immersive. Moi c'est Clément Dubois, 5e com à Paris. Maniac, c'est un condensé en fait d'articles et de ressources liées à la typographie. Que même nous, étudiants et futurs professionnels du design, on n'y connaissait que très peu et que c'était aussi très difficile d'avoir accès à des ressources. C'est de l'inspiration en fait.